Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 2 février et j'ai eu envie de faire un compte en direct. Alors, quelques personnes m'ont encouragé. Voilà pourquoi je viens de me connecter pour le faire. Mais avant que on entre dans le conte, je vais vous faire écouter une chanson de notre passé commun. Ça va vous faire ressortir, c'est sûr, quelques souvenirs, mais on ne peut pas avancer sans tenir compte du passé. Logiquement, les erreurs du passé doivent nous permettre d'éviter les mêmes erreurs dans le futur. Mais l'être humain a tendance à oublier très vite et à recommencer les mêmes erreurs chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça qui fait l'humanité. Il y a eu des guerres, il y a eu pas le passé, mais il y a toujours des guerres encore. Les gens continuent de fabriquer des armes, les gens continuent de le faire. Pourtant, on sait très bien que c'est pas bon pour l'humanité. Mais donc, je vais vous faire revivre un peu, enfin, on va revivre ensemble un peu cette musique du passé-là. Bonjour, ici Agasso, toujours fidèle. Bon, c'est pas. Je vais faire passer ça après. Alors, bonjour à tous, bienvenue à Compte en direct. J'ai eu envie de raconter une histoire aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire des animaux qui avaient fait une récolte. La récolte avait été tellement belle, tellement abondante, que le roi le lion a dit, bon, cette année-là, on ne va pas faire comme habituellement. Habituellement, on fait une grande fête et puis chacun vient participer. Cette fois-là, on va faire une fête, on va faire une réception tournante. Parce qu'on vit ensemble, mais on ne se connaît pas vraiment. Hein. Donc moi, je vais être le premier à recevoir les animaux chez moi. Ma femme va faire à manger, vous allez venir manger. Et puis on va tourner comme ça. Chacun va recevoir les autres. Mais pour faire ça, vous allez aller inviter les animaux domestiques. Parce qu'ils sont des animaux aussi. Et ils vont venir. Donc ils ont envoyé des émissaires qui sont allés appeler le coq avec sa femme, la poule, le chat, le chien, la chèvre, tous les animaux qui étaient devenus des animaux domestiques là. Ils sont allés les chercher. Et on leur a expliqué que chacun va recevoir la communauté chez lui. Ça va nous apprendre à nous connaître et puis on va savoir quand même aussi comment chacun vit chez lui. Et tout le monde avait trouvé que c'était une très bonne idée. C'était nouveau, c'était innovateur. Et le roi, il a reçu, le lion a reçu les gens chez lui, la panthère. En tout cas, ils ont fait le tour jusqu'à ce que on arrive autour du caméléon. Et le jour de la réception, le caméléon a fait sortir des assiettes, il a placé, en tout cas, il a placé bien la table et tout. Et sa femme, il partait dans la cuisine pour amener le repas. Il amenait d'abord les boissons. Donc, quand il venait avec les boissons, sa couleur s'est adaptée aux boissons. Il y avait des bissap là. Donc, le caméléon a pris la couleur du bissap et il est venu la placer ça sur les tables. Bon, les autres animaux qui vivaient avec le caméléon dans la forêt, là, eux, ils savaient. Donc, ce n'était pas surprenant pour eux. Mais le coq, lui, il était moderne, là, il vivait en ville. C'était un animal domestique. Puis, il trouvait ça bizarre, quoi. Mais comment il fait pour. Et puis, donc, il a pris sa plume, puis il a touché sa femme, puis il lui a murmuré à l'oreille. Il dit, regarde, regarde l'animal, là. Regarde l'animal là, il change de couleur. Il a la même couleur que la boisson. Donc, le caméléon est venu placer les bissap là. Et il a pris la couleur du bissap. Il est reparti, il est revenu avec du nyamakuji, le jus de gingembre. Et quand il est arrivé avec le nyamakuji, sa couleur s'est adaptée au jus de gingembre là. Le coq. Il dit, mais c'est de la magie ou quoi? Et ils ont servi la boisson aux gens et tout. Après, maintenant, sa femme a préparé le repas là. Donc, il allait chercher le riz, une grosse cuvette de riz comme ça. Quand il est venu placer le riz là, sa couleur s'est changée, ça s'est adapté à la couleur du riz.
C'était du riz blanc. Le coq, là, lui-même, il n'arrivait même pas à boire même. Tu as dit, mais c'est pas possible. Mais le... Donc, les animaux domestiques, là, eux, ils étaient étonnés. Mais les autres, là, c'était banal pour eux, ils trouvaient ça normal. Le chat, le chien, tout ça. Un chien de couleur, un chien de couleur. Donc, ils se murmuraient ça entre eux. Il envoyait le riz, la sauce. Bon, chaque fois qu'il emmenait les trucs, là, il s'adaptait automatiquement à ce qu'il avait dans les mains. Ils ont mangé, c'était très, 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 très bon. Ils ont bu, ils ont dansé. Après, maintenant, il a emmené les mangues, les belles mangues de chez nous, juteuses, là. Sa femme les a coupées en petits morceaux. Quand il a emmené les mangues jaunes, là, il a eu la couleur, là aussi. Mais le coq, là, il continuait d'être émerveillé. Et bon, la réception est finie. Après, on a dit que ça allait être une autre personne, jusqu'à... Et le coq a dit, bon, ah, il a levé sa plume là, il a levé son aile, il a dit, bon, moi aussi, il faut que je vous reçoive chez vous. Donc, on a demandé quelle date, il a donné sa date. Bon, ok, donc ils ont pris rendez-vous. Donc, les autres animaux ont reçu jusqu'à ce qu'on arrive autour du coq. Mais le coq, depuis qu'il était revenu de la visite de chez le caméléon là, son sommeil, il avait perdu. Comment le caméléon là faisait pour changer de couleur comme ça? Il a essayé de s'informer un peu. Ils ont dit, ah non, on ne sait pas. Demandez à la chèvre, au mouton, au chien, au chat. Ils disent, ah, nous, on est avec toi ici. Est-ce nous, on ne le connaît pas, on ne sait pas. Aïe. Ah là là, vraiment ça là. Et donc, il a dit à sa femme que moi, le jour où ils vont venir chez moi là, il faut que je change aussi comme ça. Ah, ils vont venir, Non, moi je vais faire comme le caméléon. Elle dit, ah, mais tu n'es pas le caméléon. Il dit, non, moi je vais faire comme le caméléon. Je vais changer aussi. Pourquoi? Non. Et le jour est arrivé. Donc, quand il est venu envoyer les boissons, il a envoyé les boissons aussi. Lui, il était moderne, donc il a envoyé les boissons dans les bouteilles et tout ça. C'était bien chic là. Parce que lui, il était en ville. C'était un animal domestique. Donc, il a amené, il a placé. Et il est allé retrouver sa femme dans la cuisine là-bas. Il dit, bon, quand le repas sera prêt là, tu viens venir me trouver dans la chambre là-bas, tu vas faire quelque chose pour moi. Parce que moi là, je vais pas être même chose du début de la fête jusqu'à la fin. Il faut que je change aussi. Sa femme dit, ah mon mari, tu ne peux pas être comme l'autre. Il dit, eh, je vais changer aussi. Et quand le repas était prêt, sa femme lui a dit, le repas est prêt. Il dit, bon, trouve-moi dans la chambre. Et la femme le suit dans la chambre. Il dit, bon, enlève-moi les plumes qui sont sur les bouts de mes plumes qui sont sur les ailes là. Enlève ça. Sa femme dit, mais je ne vais pas faire ça. Il dit, je te dis d'enlever. Oh, enlève les plumes là. Oh, c'est quoi? Ah, elle était obligée d'enlever. Donc elle a enlevé les plumes qui sont au bout des ailes là. Si les ailerons là. Elle a enlevé, elle a enlevé, elle a enlevé. Donc on voyait ça un peu, c'était comme ça. Et il allait servir le repas. Donc les autres ont remarqué. Hein? Ils se sont regardés un peu, mais ils n'ont rien dit. Le caméléon aussi était là. Et puis, ils continuaient de changer de couleur. Donc, ils ont mangé. Après, maintenant, sa femme a dit, bon, on va envoyer... Comme eux, ils sont en ville. Donc, ils ont fait des desserts et tout ça. Ceux qu'ils ont en brousse là-bas, là, ils ne connaissent pas de dessert. Lui, il est en ville. Là, d'abord, il a fait apéritif. Il a donné. Ils ont pris. Donc, maintenant, après le repas principal, c'était autour du dessert. Donc, sa femme a envoyé les trucs et tout. Il dit, bon, sa femme, allons dans la chambre. Enlève toutes les plumes qui sont sur mes ailes. Si tu enlèves les plumes qui sont sur mes ailes. Oh. Elle dit, ah, ok. Donc elle a enlevé toutes les plumes de son mari qui était sur les ailes là. Tout, 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 elle a enlevé. Donc on voyait maintenant ses ailes nues. Il a envoyé les desserts. C'est les autres, c'est quoi? Bah, ils ont mangé. Après maintenant, il dit, bon, on va envoyer maintenant les digestifs. Ils ont dit, hein, oui. Il dit, oui. Ici, là, quand on mange, là, on prend du digestif. Ah, ok, d'accord. Donc, il allait chercher les boissons pour envoyer. Il est rentré dans la chambre encore. Il a dit à sa femme, enlève les plumes qui sont sur mon dos. Enlève toutes les plumes. Donc, la femme a enlevé toutes les plumes qui étaient sur le coq. Au début, pour les boissons, c'était les plumes qui étaient sur le bout des ailes que sa femme a été obligée d'enlever. Pour le repas, elle a enlevé les ailes qui étaient, les plumes qui étaient qui étaient sur les ailes. Maintenant, pour le digestif, là, dessert, tout ça, là. Pour le dessert, il a dit d'enlever les plumes qui sont sur le dos. Donc, elle a enlevé toutes les plumes qui sont sur le dos, sur la queue, tout, elle a enlevé. Maintenant, c'est pour le digestif, là. Il a dit, bon, enlève maintenant les plumes qui sont sur. Donc, la femme a enlevé les plumes.
Donc il était complètement sans plumes quand il a amené le digestif. Tiens, les autres animaux là-même, ils étaient découragés. Mais pourquoi il fait ça? Mais en tout cas, ils ont découvert apéritif, ils ont découvert digestif. Eux, ils sont au village, ils connaissent pas, ils sont en brousse. Lui là, c'est un animal de ville. Donc il leur a appris les bonnes manières, comment il fallait se tenir à table et tout. Tout ça là, il leur a appris ça. Et les gens ont mangé. Donc ils ont causé un peu, mais comme il n'avait plus ses plumes, il a commencé à avoir un peu froid. Et donc il a dit à sa femme qu'il allait aller se reposer. Donc sa femme a dit, bon vraiment, on s'excuse, mais est-ce que vous pouvez rentrer parce que mon mari ne se sent pas très bien. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. La réception était très belle, madame, c'était très bon. Le roi a pris la parole au nom des autres animaux. Il a dit, vraiment, ça c'était une réception digne. Nous, on ne connaît pas apéritif. On a connu ça aujourd'hui grâce à vous. On est venu, grâce à vous, on est venu en ville. On ne connaissait pas digestif. Grâce à vous, on a connu digestif. En tout cas, merci beaucoup. C'était une très bonne réception et très bien réussie. Et ils sont rentrés chez eux avec la question dans la tête, mais il n'y avait pas de réponse. Pourquoi le coq là, il a changé comme ça, on n'a rien su. Maintenant, le soir a commencé à tomber. Or, vous savez très bien que chez nous, quand il commence à faire soir, il fait frais. Le coq a commencé à avoir froid. Parce que les plumes n'étaient plus là. On ne pouvait plus les remettre. Et malheur pour lui, voilà une pluie qui tombe. Une grosse pluie. Oh, la pluie aussi. Parce que là, les récoltes, là, c'est toujours vers le mois de septembre, non? Ok. En ce moment-là, il fait frais. La pluie est tombée. Le froid s'est mis dedans. Voilà le coq maintenant. Il a commencé à grelotter. Il n'a plus ses plumes. Il a dit à sa femme, fais un feu dans la maison pour que je puisse me réchauffer. La femme a fait le feu. Il s'est mis à côté du feu. Il a commencé à grelotter, grelotter. Il avait de plus en plus froid parce qu'il n'avait plus ses plumes. Et au fur et à mesure qu'il s'approchait du feu, sa peau se cramait, mais il ne voyait pas. Il s'est approché du feu jusqu'à... Plus il s'approchait du feu, plus il cramait jusqu'à ce que le coq meure là au bord du feu. Sa femme a constaté malheureusement son décès à un moment, après un moment donné. Et on l'a enterré. Les autres animaux, ils sont rentrés chez eux. Ils n'ont rien compris. Ils nous ont dit, mais vraiment, on ne sait pas. Vraiment, pourquoi il a fait comme ça? Attends, attends. C'est comme ça que l'histoire a pris fin. La morale, tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Chacun a son talent dans cette vie. Chacun a son don. Tu ne peux pas vouloir être comme l'autre. Je profite de ce compte en direct pour envoyer un hommage à un monsieur. Un homme que moi je considère grand de son temps. Le président Laurent Gbagbo. C'est un prétexte de compte que j'ai choisi pour rendre hommage à cet homme-là. Le président Gbagbo, il est le président Gbagbo. Il a sa nature. Personne ne peut être comme le président Gbagbo parce que c'est le président Gbagbo. Le président Gbagbo, il s'adapte à toutes les situations. Il s'adapte à toutes sortes de peuples. Il s'adapte à toutes sortes de publics. Il est capable de parler un français soutenu. Il est capable de parler en français courant. Il est capable de parler en français, en argot, pour se faire comprendre de son peuple. Cet homme-là a réussi à se faire une grande place dans le cœur de ses concitoyens parce qu'il est naturel. Il ne forçait pas. Il n'avait pas besoin de déclencher quelque chose pour changer de couleur tout de suite. Toutes les situations, cet homme est capable de s'adapter parce que c'est sa nature, c'est le talent qu'il a eu. Et il y a un autre individu qui est venu de quelque part, qui a voulu ressembler au président Gbagbo. Mais tu ne peux pas ressembler au président Gbagbo parce que tu n'es pas le président Gbagbo. Tu ne peux pas ressembler au président Gbagbo parce que tu n'es pas le président Gbagbo. En voulant faire comme lui, en croyant qu'il suffisait d'enlever tes plumes pour que tu changes aux yeux des autres, non. Le président Gbagbo, là, c'est naturel.
Il force pas. Il ne fait rien de particulier. On l'aime, c'est tout, parce que c'est un homme d'une pureté d'âme. C'est un être humain qui a ses défauts aussi. Mais c'est un homme d'une grande âme, qui n'est pas dans les tricheries, qui n'est pas dans les compromissions, qui va purement vers les gens. C'est ça ce qui se passait avec le caméléon. Le caméléon, il avait les fruits dans la main et sa couleur s'adaptait automatiquement aux fruits qu'il avait dans la main. Il ne décidait pas de changer pour que non, ça se faisait naturellement. Maintenant, le coq, tu as commencé d'abord à enlever tes plumes, des ailes, changer des choses dans ta vie pour pouvoir venir ressembler aux autres. Mais tu n'avais pas besoin, tu es le coq. Après, tu as demandé qu'on enlève toutes les plumes qui sont de ce côté, en croyant que ça allait faire de toi un être extraordinaire. Mais tu n'es pas extraordinaire, monsieur le coq. Tu es le coq. Ensuite, tu as demandé qu'on enlève les plumes qui sont sur ton dos, en croyant que ça allait faire de toi quelqu'un qui va, je sais pas moi, être tellement extraordinaire, va émerveiller les gens. Mais les gens ont trouvé ça bizarre. Parce que tu te dénaturais. Tu as enlevé les plumes qui sont sur ton dos. Après, tu as enlevé les plumes qui sont sur ton ventre. Tout le monde t'a vu aujourd'hui. Tu es nu. Tous ces sacrifices que tu crois avoir faits pour te faire accepter, pour être comme le caméléon. Mais tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas le caméléon. Tu n'es pas le caméléon. Et à la fin, tu t'es fait cramer par ton propre feu. Et c'est ce qui va t'arriver, monsieur le coq. En voulant se comporter, se comparer au président Laurent Gbagbo, tu vas être brûlé par ton propre feu. Après t'être nu, dénudé devant tout le monde, tu as demandé qu'on enlève toutes tes plumes en croyant que ça va faire de toi un être extraordinaire. Mais tu es descendu dans le respect de la communauté. Parce que tu as voulu paraître ce que tu n'es pas. Aujourd'hui, on t'a découvert. Et tu es nu comme un coq qui a décidé lui-même d'enlever ses plumes pour croire que ainsi il allait épater les gens, il allait amuser, il allait donner l'impression qu'il est un ex extraordinaire. Mais c'est le contraire qu'on regarde aujourd'hui. C'est le contraire qu'on observe aujourd'hui. Et comme le coq a demandé à sa femme d'allumer le feu pour se réchauffer, le feu que tu as allumé là, ça va te brûler. Ça va te brûler, le propre feu que tu as allumé va te brûler. Parce que le caméléon, naturellement, il change de couleur en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Parce que le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui s'est mis au service du peuple, qui comprend le peuple, qui sait c'est quoi qui est bon pour le peuple, et qui se fond avec ce peuple-là, qui fait des bains de foule, qui n'a pas peur d'être agressé par le peuple. C'est ça. La capacité du caméléon là à changer de couleur pendant sa réception. Quand il a les mangues, il prend la couleur des mangues. Quand il a la papaye, il prend la couleur de la papaye. Quand il a le bissap, il prend la couleur du bissap. Quand il a le riz, il prend la couleur du riz. Il vit au village, il vit en brousse, il est sauvage. Mais ça fait de lui quelqu'un de très pur. Quelqu'un avec une grande âme. Alors aujourd'hui là, je te rends hommage, mon président Laurent Gbagbo, parce que tu es un grand et tu es rentré dans l'histoire de l'humanité par la grande porte. Tes défauts en tant qu'être humain, ils ne pèsent même pas dans la balance, c'est comme une plume, ça ne pèse pas. C'est ceux qui ont envie de s'en servir pour se donner de la contenance qui descendent là-bas. Sinon, ça ne change rien à ta grandeur d'homme. Président Laurent Gbagbo, je te rends aujourd'hui hommage, moi personnellement, moi Eben Boigny, parce que tu es le caméléon qui a reçu ses congénères et qui est capable de se mettre au même niveau qu'eux, qui est capable de s'adapter à l'environnement. Mais le coq, il était obligé de se faire violence pour vouloir te ressembler, mais il ne peut pas être toi, il ne sera jamais toi. Il va rester un coq qui va être brûlé par son propre feu parce qu'il n'avait plus de plumes pour le protéger. Il s'est écarté de ses plumes, les plumes qui cachaient son corps maigre. Les plumes là lui donnaient de la contenance. Tandis
tant qu'il était dans les nuages là, les plumes là lui donnaient une certaine grosseur. Mais en ayant fait lui-même, lui ayant pris la décision lui-même d'enlever ses propres plumes, on a vu aujourd'hui sa vraie valeur. On a vu aujourd'hui qui il est. Il est maigre. On voit qu'il n'a pas de mollets, il n'a pas de cuisses. Tout est sec. C'était les plumes qui trompaient les gens. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est lui-même qui a décidé d'enlever ses plumes pour pouvoir te ressembler, président Babou. Mais il ne te ressemblera jamais parce qu'il n'est pas toi. Parce que toi, tu es unique en ton genre. Et c'est la grandeur d'âme que tu as là qui va toujours te protéger. Même si tu es un caméléon sans plumes, sans rien, tu te présentes tel que tu es et tu t'adaptes à ton peuple. Je te souhaite une très bonne journée, papa Laurent Gbagbo. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis que plusieurs d'entre nous attendent ton retour parce que tu n'es pas là. Ton peuple est désorganisé. Ton peuple est désorganisé, papa. Je regarde ton peuple et je ne le reconnais pas. Ils posent des actes qui ne ressemblent pas à ce que tu leur as enseigné. Ils ont perdu tes enseignements. Ils sont déboussolés. Ils font des choses qu'ils n'ont jamais faites. Reviens vite. Reviens vite, papa. Parce que c'est toi seul que nous connaissons. Même si tu ne devais plus présider aux destinées du pays, mais reviens dans ton pays. Ton peuple se sentira en sécurité. Parce que le peuple que je regarde aujourd'hui là, c'est pas ton peuple. Le peuple que je regarde aujourd'hui là, il n'a rien à voir avec ton peuple, papa Laurent Gbagbo. Et ça me fend le cœur que ce peuple est devenu sourd. Il n'entend plus les voix de la sagesse. Il est dispersé, il va dans tous les sens. Mais non. Ne vous transformez pas comme ça. Ne vous laissez pas avoir comme ça. Sinon, le travail du président Laurent Gbagbo aura été vain. L'enseignement qu'il nous a donné à nous aimer les uns les autres, à nous accepter, à nous donner des chances, à nous permettre de comprendre qu'on peut se tromper, qu'on peut faire des erreurs, mais que toujours on doit regarder dans la même direction. Quelle concession le président Gbagbo n'a pas fait? Quelle concession il n'a pas fait? Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de faire des concessions entre nous. On n'est pas capable de faire des concessions entre nous. Mais ce qu'il nous a enseigné là, qu'est-ce qu'on en a fait? Combien se souviennent de l'enseignement du président Gbagbo aujourd'hui? Moi, je le regarde et j'espère son retour pour pouvoir nous remettre sur les rails. C'est comme quand un père n'est plus à la maison. Les enfants vont dans tous les sens. C'est ça qui se passe. Alors, monsieur le coq, vous ne serez jamais le caméléon. Vous vous êtes dépouillé de toutes vos plumes. Aujourd'hui, on a vu votre corps. On voit la chair de poule qui est sur votre peau. On vous voit aujourd'hui. Vous vous êtes déshabillé vous-même, tout seul. Et on vous regarde. On attend que le feu, votre propre feu, vous crame. Pendant ce temps, le caméléon, il était tout naturel. Il faisait ses choses naturellement. Il ne forçait pas. Et c'est ça la nature du président Gbagbo. Il ne force pas parce qu'il est pur. Et quand on est pur, on ne force pas. Quand on a reçu un talent, on ne force pas dans le talent. Si tu as un talent, cherche à améliorer ton talent au lieu de vouloir ressembler à un autre qui a lui son talent. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais vous faire écouter encore la chanson du groupe Woody. Et puis, on va se dire au revoir. Moi, je travaille aujourd'hui. Donc, méditez beaucoup sur les contes que nous ont laissés nos ancêtres. C'est toujours des choses de très bon enseignement. On va enseigner à un enfant de voir en toi les talents que tu as et essaye de les améliorer au lieu de vouloir ressembler à un autre. Parce que chacun vient au monde avec son talent. Et quand c'est naturel, on ne force pas. Hommage à toi, président Laurent. Dimanche, je vais m'apprêter pour aller au travail parce que je travaille aujourd'hui. Gros bisous à vous et puis qui vivra verra.